Salut les barbus et bienvenue sur ce mini-épisode, qu'est-ce que je devrais dire, un micro-épisode. Qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va se faire une petite boîte pour stocker des éléments un petit peu longs, métalliques. Et pour ça, j'utilise du contreplaqué de 15 mm qui est de la récup. Et je vais utiliser mon tout nouveau guide pour ma toupie qui va me permettre de faire des super rainures. Ces rainures-là vont me permettre de faire une boîte de façon super rapide, une boîte ultra solide. Et vous allez voir, le tout de la fabrication m'a pris moins de 10 minutes pour faire une boîte vraiment avec un résultat super génial. Maintenant que les deux rainures sont faites sur deux des côtés, je mets de la colle et ensuite, pour éviter que tout ça bouge pendant que la colle prend, je vais mettre quelques agrafes. Ce qui surprend vraiment, c'est la précision et le résultat de ce qu'on a avec justement ce nouveau guide pour ma toupie. Je vais faire le dernier côté, un des quatre côtés principaux. Et en particulier ici, pour une boîte qui est longue comme ça, souvent, on a tendance à avoir des petits bugs à droite à gauche, des trucs qui vont pas bien, qui sont pas alignés. Et là, franchement, c'est super bien. Il me reste juste à faire le fond. Et là, pareil, je trace, je coupe un petit coup de colle, quelques agrafes. Et c'est bon, en moins de 10 minutes, le temps d'installation compris, ma boîte était prête. Et cette boîte-là, ben, je vais l'installer sur mon rack où je stocke tous mes matériaux. Je vais faire deux petits trous, mettre un rislant histoire de l'attacher à la structure. Et il va me permettre de stocker tous les éléments métalliques un petit peu longs qui avaient tendance à être dans mes pieds et à me déranger à droite à gauche. Voilà, un épisode vraiment court, mais qui, moi, me plaît beaucoup. Et j'espère qu'il vous donnera envie de faire des choses. En tout cas, bah, faites des trucs, inspirez-vous, que la barbitude soit avec vous, et au prochain épisode, et à bientôt.